Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des pièces dans Panier Parfait. Alors pour jouer à Panier Parfait, vous allez tout simplement appuyer sur carré pour changer et là vous avez directement créé par la communauté, donc crossover Panier Parfait. Donc soit vous sélectionnez comme ça ou soit vous allez dans mode créatif, vous appuyez sur triangle et là vous allez dans jouer, dès qu'il va me le proposer bien entendu. Voilà, vous allez dans créer, excusez-moi, pas dans jouer, voilà. Et quand vous arrivez ici, soit vous allez directement dans Panier Parfait et là vous appuyez sur carré pour entrer dans le matchmaking, ou soit vous appuyez ici pour parler au personnel et vous dit ce que vous pouvez faire, ou vous pouvez appuyer sur carré pour prendre le ballon de basket et ensuite vous appuyez sur carré pour entrer dans le matchmaking. Alors quand la partie va se lancer, l'objectif du jeu c'est tout simplement d'aller dans des paniers de basket que vous voyez en face, donc comme je le montre dans le gameplay. Alors là, ce que vous allez devoir faire, c'est marquer plusieurs paniers et à partir d'un certain moment, il y aura des ballons, donc des pièces de ballons à récupérer sur la descente. Et là, vous allez devoir récupérer 30 pièces au total pour valider le défi. Donc il va falloir recommencer plusieurs fois, jouer plusieurs fois pour débloquer les 30 pièces parce qu'ils apparaissent. Mais dès qu'ils apparaissent au bout d'un certain moment, dès que tout le monde les a ramassés, ils disparaissent et il faut continuer à jouer ou relancer une partie pour en récupérer plusieurs, etc, etc, jusqu'à temps d'en avoir 30 et débloquer les 40 000 XP. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire, c'est juste que ça va vous prendre un petit peu de temps, mais quand vous aurez terminé le défi, vous gagnerez 50 000 XP et c'est quand même plutôt pas mal. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec, et ciao, peace.